Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un tutoriel pour créer une carte en 3 dimensions comme celle-ci. Alors en fait, je vais faire avec vous la version garçon de cette carte de naissance. Je vais prendre d'abord donc un morceau de cardstock de 15 par 25 cm. Je vous ai mis ici un petit graphique pour vous aider dans les pliages et dans les découpes. Donc n'hésitez pas à vous y référer si besoin. Et puis donc je commence par faire donc mes pliages. Alors je pense que les images et les explications doivent être assez claires. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr me poser vos questions dans les commentaires. Je vais ensuite donc découper mon papier. Comme indiqué ici, au niveau des deuxième et troisième petites cases. Je retourne ensuite mon papier et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous allez donc ensuite la plier comme ceci, donc ça vous fait un petit peu comme un escalier, et puis on va bien marquer nos plis. Voilà ce que vous obtenez à ce stade. Je viens donc ensuite découper des morceaux de cardstock selon les dimensions donc, qui sont en bas de votre écran. À cet emplacement, donc, il y aura une double carte qui servira à mettre un petit mot. Donc je vais coller un tout petit aimant tout fin pour que ma carte reste bien fermée. Je vais maintenant donc couvrir toutes les autres petites cases. J'ai découpé donc plein de petites formes pour décorer ma carte en misant essentiellement sur les étoiles, sachant que la maman adore les étoiles. Pour la première grande case en bas à gauche, j'ai décidé de faire une petite shaker. Donc pour ça, en fait, j'ai découpé 6 fois la même forme d'étoile pour pouvoir avoir l'épaisseur pour faire ma shaker. Je trouve ça plus joli en fait que d'utiliser de la mousse 3D. Et puis par-dessus, donc il y aura une étoile en rhodoïde et encore par-dessus, donc une étoile que j'ai décidé de faire dans une autre couleur, donc dans la couleur vert tendre de la carte.
d'abord je vais coller toutes mes étoiles les unes sur les autres, donc pour obtenir cette épaisseur pour ma shaker. Et puis ensuite je vais continuer en collant la partie, donc l'étoile en rhodoïde. Pour cela, faites attention de ne pas mettre trop de colle parce que sinon vous avez la colle va déborder et puis elle se verra à l'arrière du rhodoïde, ce ne sera pas très joli. Donc faites attention qu'il y ait assez de colle, mais pas trop. Voilà, donc comme vous voyez, ça me crée juste assez d'épaisseur pour pouvoir ensuite mettre mes petits sequins. Maintenant, je vais venir donc décorer toutes mes autres petites cases. Pour ma shaker, donc je vais commencer par coller une étoile pour le fond qui soit de couleur différente pour faire bien ressortir donc ma petite shaker. Je vais utiliser ici des tout petits sequins que j'ai trouvés sur le site d'AliExpress. Alors si vous les cherchez, il vous faut chercher sous nail art en fait. Ce sont des des toutes petites paillettes qui sont vendues sous nail art et qui sont très très pratiques pour ce genre de shaker où vous avez une épaisseur qui n'est quand même pas énorme et du coup voilà, ça permettra que tout glisse bien comme il faut. Prenez donc bien garde de mettre de la colle tout autour de votre forme et de ne pas laisser d'espace, sans quoi eh bien, vos petits sequins ils vont filer à l'extérieur. Maintenant, je vais venir coloriser ces petits tampons donc dragon que j'ai décidé d'utiliser pour décorer ma carte. Alors je suis loin d'être une pro de la colorisation, hein, donc je fais des colorisations qui sont très basiques, donc là en l'occurrence avec les feutres à alcool de chez Action. Si jamais vous n'avez pas de feutre de couleurs qui se ressemblent donc pour faire cet effet d'ombre, vous pouvez simplement donc mettre une première couche et puis vous attendez que le feutre ait bien séché et ensuite avec la même couleur vous venez remettre une petite couche de couleur donc sur le bord de vos tampons pour pouvoir créer cet effet, ce petit effet d'ombre.
Voilà, ma carte est maintenant terminée. Il ne me restera plus qu'à mettre donc mon petit mot pour les parents et puis à ajouter la date de naissance et le nom du bébé. Mais ça, je ferai hors caméra. J'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas, si ça vous a plu, de me laisser un petit pouce bleu. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye !